ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ce verset, c'est le verset 13 de Sourate Al-Hujurat, la Sourate 49. Dans le sens de ce verset en traduction, Allah subhanahu azza wa jal s'adresse à tous les hommes en disant: ô vous, les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons constitués en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez mutuellement. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui l'emporte en piété.
Dieu est omniscient, il est instruit de tout. Alors ce verset de Sourate Al-Hujurat, cette Sourate 49, le verset 13, est un verset très important. Et c'est un verset qui vient avec un certain nombre de versets où l'appel est ici adressé aux hommes. « Ya Yohannes, ô vous les hommes !» Car nous avons dans le Coran des versets qui commencent par un appel adressé de Dieu aux hommes. D'autres versets, l'appel est adressé aux croyants. D'autres versets, l'appel est adressé à Bani Adam, les fils d'Adam. Et c'est très important de s'arrêter par rapport à ces versets où le discours est adressé effectivement à tous les hommes, car le discours coranique est un discours adressé aux hommes. Ce n'est pas un discours qui est limité aux croyants qui ont cru seulement, mais je dirais que peut-être c'est la responsabilité de ces croyants de transmettre, de témoigner de ce discours pour qu'il soit accessible à tous les hommes. Ce verset, c'est un verset fondateur, car c'est un verset qui nous parle du statut de l'homme et surtout des relations humaines selon la vision coranique. Et c'est un sujet central qui concerne l'homme à toute époque. Nous avons besoin toujours, d'ailleurs c'est le grand sujet des philosophes, c'est quoi l'homme, c'est quoi son statut, quelle est sa mission, et notamment les relations humaines qui restent toujours un grand défi entre les hommes. Comment il faut établir ces relations sur des bases qui font que les hommes soient dans l'esprit de fraternité, l'esprit d'entraide, l'esprit de la reconnaissance des différences qui existent entre eux. Et ce verset nous renseigne beaucoup justement sur cette grande question. Alors, quelle est cette vision du statut de l'homme d'une manière générale et des relations entre les hommes notamment? Elle est basée sur six principes que nous pouvons tirer justement de ce verset, qui commence d'abord par rappeler le premier principe, le premier fondement, « Ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ». C'est-à-dire, il nous rappelle ici tout d'abord la première source, l'unité de cette première source de tous les hommes. Il parle des hommes, « Inna khalaqnakum ». C'est Dieu qui parle en disant « Nous vous avons créés ». C'est-à-dire les créateurs de tous les hommes, au-delà de toutes les différences qui peuvent exister entre les hommes, est un seul et unique. C'est Dieu avec sa volonté. Car il dit « Inna khalaqnakum, nous vous avons créés ». Et ça, c'est très important. C'est-à-dire partir de l'idée que tous les êtres vivants, tous les hommes, sont des créatures d'un seul et même créateur qui n'a pas fait de différence entre ces créatures. Et après, il nous rappelle juste après la deuxième source de l'unité en disant « min dhakarin wa untha », cette unité de la source humaine. C'est-à-dire la source de l'homme revient à deux éléments. L'élément divin qui revient à la création de Dieu, le seul créateur qui a créé tous les hommes. Et la deuxième, c'est la source humaine parce que Dieu a fait que le père et la mère de l'humanité sont deux. Et c'est une source humaine unique. « Min dhakarin wa untha, Adam wa Hawa, Adam et Ève ». Voici le deuxième fondement, c'est-à-dire l'unité au niveau de la source humaine. Après, le premier qui est l'unité au niveau de la source divine de la création. Et troisième principe, après il dit « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ » Nous vous avons constitué en peuple et en tribu. Et ça c'est pour attirer notre attention sur une réalité très importante de la condition humaine qui est celle de la diversité. La diversité d'ailleurs c'est une loi générale de la création d'une manière générale. Et le Coran nous parle justement de la différence des plantations, la différence des montagnes dans leurs couleurs, la différence entre les animaux, le bétail, etc. Mais aussi cette différence qui existe entre les hommes, une différence Dieu a fait, a constitué les hommes, comme il a dit, en peuple et en tribu, pour parler aussi de plusieurs niveaux de différence.
L'humanité est composée de peuples et chaque peuple est composé d'autres composantes comme les tribus, pour dire que la diversité est un élément essentiel, fondateur dans la vie des hommes. Voici le troisième principe qui est très important parce que partir de l'idée justement que les hommes sont différents, que cette diversité existe à tous les niveaux, et au niveau également de la foi, de la création, parce que Dieu, il dit dans notre verset, c'est Dieu qui vous a créé, parmi vous, il y aura ceux qui vont croire, il y a d'autres qui vont mécroire, mais tous sont la création, les créatures de Dieu. Cette diversité, et ici c'est le quatrième fondement, c'est une diversité qui doit amener les hommes, par la curiosité de la différence, à aller découvrir l'autre, avoir cette curiosité qui va les guider à une connaissance mutuelle. Et ici, le verbe ta'arafu dans le verset veut dire une connaissance dans les deux sens, connaissance mutuelle, que chacun doit aller vers l'autre pour le connaître. C'est-à-dire que cette diversité qui existe ne doit pas être un facteur de conflit qui va aller dans le sens de la confrontation, mais au contraire, elle doit susciter une curiosité chez l'homme qui va l'amener pour aller connaître et découvrir l'autre. Et ça, c'est très important que la diversité devienne un élément de richesse entre les hommes. Et vers la fin du verset, il dit « Inna akramakum inda Allahi atqakum » le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui l'emporte en piété. Alors il dit « le plus noble parmi vous auprès de Dieu ». Et c'est ça le cinquième fondement, que la noblesse de l'homme, cette tendance de chercher qui est le meilleur, hein, qui est le plus noble, c'est quelque chose qui ne doit pas être l'affaire des hommes. Alors il dit, la noblesse, c'est auprès de Dieu. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu. C'est Dieu seulement qui a le droit, le Créateur, de classer, si on peut dire, les hommes selon leurs œuvres, mais ce n'est pas vraiment l'affaire des hommes, pour justement exclure toute tendance de classer, de prioriser l'ordre entre les hommes. Ils sont tous égaux entre eux dans leurs conditions humaines, mais c'est à Dieu après de juger chacun selon ses œuvres et selon ce qu'il a fait. Et en plus, il va lier cette noblesse auprès de Dieu avec une condition qui échappe aux hommes. Il a dit, Inna akramakum inda Allahi atqakum, c'est-à-dire le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui l'emporte en piété. Et il y a ce sens de susciter aux hommes le fait de chercher l'excellence, mais l'excellence en quoi? C'est dans la piété. Et c'est Dieu seul qui est omniscient, qui est instruit de tout. C'est-à-dire que cette noblesse, elle est liée avec un facteur de piété qui est à l'intérieur de nos cœurs, que personne ne peut prétendre connaître la piété de l'autre. C'est Dieu seul qui le connaît. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa hahuna, lorsqu'il a parlé de sa poitrine en disant que la piété, c'est quelque chose qui est intime, qui est intérieur, et c'est Dieu seul qui peut la connaître. Alors voici quelques enseignements résumés certainement de ce grand verset fondateur qui nous parle de l'homme et surtout des relations humaines et de ses bases dans cette conception de ce verset, conception coranique, illuminé par ce verset de Sourate Al-Hujurat, que Dieu, Inch'Allah, nous aide à tirer tous les enseignements afin que l'humanité soit plus fraternelle et elle soit unie et elle soit solidaire. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه
Chers frères et chères sœurs, chers croyants et croyantes, c'est avec une grande joie qu'on médite ensemble le mois sacré. Nous sommes contents, nous sommes joyeux. Même si les moments qu'on traverse sont difficiles et dans un contexte assez complexe, le croyant que nous sommes, on retrouve en nous cet amour à cet acte d'adoration qui est le jeûne du mois de Ramadan. Je me rappelle à moi-même et je rappelle aux frères que c'est grâce à Allah subhanahu que nous avons pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Dans l'année passée, pas loin que quelques semaines, nous avons tous entendu des morts et des morts. Nous avions des frères et des sœurs qu'on connaissait qui sont partis. Ils n'ont pas eu cette occasion de revivre le mois sacré. Alors, alhamdoulilah, Dieu merci, qui nous a donné cette chance de rentrer encore une fois dans cette station d'adoration, de sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, mes frères, le jeûne du mois sacré, du mois de Ramadan, Allah, il a prescrit au peuple avant nous. Ensuite, il nous a demandé de le faire. On doit être honoré et fier de le faire, loin de toute arrogance, mais avec une grande modestie et humblement. Il nous a choisis, nous avons accepté, nous allons l'entamer comme on l'a fait et Inch'Allah, on va le terminer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour rappeler que c'est un pilier de l'islam et de la foi. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Aux croyants, on vous demande et on vous ordonne de jeûner le mois de Ramadan, comme on l'a demandé aux croyants qui sont passés avant vous sur cette terre. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, an Abi Hurayra, rawahu Ahmed, qal sallallahu alayhi wa sallam, ja'akum Ramadan, shahrun mubarak, faradallahu alaykum sawmah, تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه المردة من الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Il est là le mois du Ramadan pour vous. Il est un mois béni. Allah, il vous a ordonné de jeûner le mois. Le jour. Dans ce mois béni, les portes des cieux seront ouvertes. Les portes de l'enfer seront fermées. Allah, il a enchaîné les satans, shayatin, et il a caché une nuit, les lettres qadr, dans les nuits impaires des 10 derniers jours, comme vous le savez, mes frères. Celui qui n'a pas profité de cette nuit-là de destin, il a manqué quelque chose de grand. Beaucoup de hadiths, et je pense que mes frères, mes imams, les chouyours, les savants, que vous avez pu entendre, ont cité beaucoup de choses. Mais tous entourent autour de ce choix divin d'Allah Azza wa Jal, d'un pilier de l'islam, dans un espace de temps qui s'appelle le mois de Ramadan, et dans lequel, béni encore, par la révélation, la dernière révélation qui est le Coran al-Karim. Ce mélange-là, fait que ce mois, il est le meilleur mois préféré chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cette bénédiction forte et cette préférence qu'Allah il a dit « Kullu amal ibn Adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih » Hadith Qudsi. Toutes les actes d'adoration, ils sont à la portée de l'homme.
L'homme peut les comptabiliser, sauf le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne tout court d'ailleurs. Il est pour Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien il va nous donner. Imagine-toi que c'est Allah qui va te récompenser, c'est-à-dire le plus généreux, celui qui détient les dons, les richesses, tout ce qu'on veut, le seul Allah. Imagine combien tu serais récompensé par le jeûne de ce mois de Ramadan. Alors cette école-là qui se présente à nous, et alhamdoulilah, il nous reste quelques jours maintenant, il faut profiter. On est rentré dans un état. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés, beaucoup de manquements. Nous avons joué avec beaucoup de choses. Nous avons mélangé peut-être les heures des prières. On faisait la prière à l'arrache. On était mal poli avec nos parents. Beaucoup, beaucoup de choses. On est rentré comme ça. Ça fait 4-5 jours peut-être. Regardez comment est notre état maintenant. On est affaibli physiquement pour pouvoir libérer l'âme que nous avons en nous et donner à notre spiritualité un ascendant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on monte vers lui parce que on se rend compte qu'on n'est pas créé, qu'Allah ne nous a pas créé sur cette terre pour manger, dormir et jouer et profiter, pour autre chose. Et qui que ce soit qui jeûne ce mois-ci, il te dit au bout de 30 jours, et surtout lorsqu'on attaque Shawwal après l'Eid, ah, tout le monde va dire, ah, ça nous manque, ça nous manque. Eh bien, alhamdoulilah. Cette occasion-là de 30 jours avec les nuits, on jeûne le mois et on fait Qiyam al-Layl avec le contexte dans lequel nous sommes, on le fait chez nous, avec nos propres familles, individuellement, mais on ne quitte pas cette tarawih que notre prophète aimait la faire chez lui. 10, 11 rak'at avec le peu de Coran que tu connais, mais si tu connais tout le Coran, tant mieux. Eh bien, il y a des mérites. À titre personnel, tu travailles et c'est l'occasion de te remettre en question. Mets-toi des objectifs. Et je le dis comme je le pense. Avant le mois, ta langue critiquait beaucoup. Eh bien, c'est un mois qui se présente pour que plus jamais tu critiques, plus jamais tu fais le ghaïba, namima, la calomnie. Au contraire, ni de mensonge, ni quoi que ce soit. C'est un travail. Avant, ton cœur portait du noir sur telle ou telle personne parce qu'il était mal respectueux ou tu l'aimais pas ou tu le jalousies. Eh bien là, non, non. Tout ça, c'est dehors. Tout ça, c'est le bas monde. Là, je rentre sur autre chose. Ta personne, ta propre personne ne se levait pas le matin pour faire salat al-Tarawih. Pardon, salat al-Subh, pardon. Salat al-Subh. Et salat al-Isha. C'est pas grave, Dieu, Ghafour Rahim. Et bien ce mois-ci, pendant 30 jours, c'est vraiment s'entraîner, voir que c'est facile, que tu peux le faire. Et bien ça, c'est les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Et encore voir plus que ça, à titre personnel. Et chacun d'entre nous, pour ne pas s'étaler, mets-toi deux ou trois objectifs. Parmi ces objectifs, puisqu'on aime notre prophète, je me dis, dans ce mois-ci, je dois apprendre au moins 5 ahadiths. 5, 5. Prends les plus courts, qui parlent sur l'éthique, sur la morale. Et maîtrise-les de An jusqu'à la fin, le dernier mot. Et vis ces paroles du professeur Sallam. Ce mois du Coran, on l'a dit. Eh ben, vas-y, apprends quelques sourates. Mets-toi des petits objectifs que tu tiens à eux et que tu vas continuer. Et je te laisse travailler ça. Et chacun, il se connaît soi-même. Deuxième mérite, familial. La famille, dans ce mois sacré, subhanallah, elle va avoir un mode de vie complètement différent qu'elle l'avait bien avant. On va se retrouver ensemble, souvent pour prier, pour manger ensemble, être ensemble, méditer quelques doigts avant la rupture du jeûne, faire la prière de nuit ensemble si on pouvait, discuter entre nous, arrêter de se connecter aux autres et se connecter entre nous. On revient vers l'essentiel, subhanallah, qui sont les parents. Le contact familial, être avec ses proches, partager la joie comme la souffrance, parler des choses qui nous intéressent, rêver d'être ensemble dans le paradis. Et c'est très fort de ce que je dis. Souvent, les familles, ils parlent d'être ensemble dans une villa et ils oublient que la belle villa, le beau château qu'on doit avoir, c'est là-bas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, le jeûne du mois de Ramadan, il est là pour nous rappeler. Le mérite de la société. C'est le mois de l'aumône, par excellence.
C'est là où la faiblesse de ton corps va te faire rappeler qu'il y a des faibles sur cette terre. Il y a des mendiants, il y a des nécessiteux. Il y a la notion du partage. Elle est là pour elle revient et elle va te faire rappeler qu'il faut penser à l'autre. La zakat al-fitr, le monde que tu dois donner, sachant que, comme on a dit tout à l'heure, tout ce que tu fais dans ce mois sacré, Allah, il va le multiplier. Dans ce mois aussi, le mérite spirituel et physique. Spirituel, tu vas te rendre compte que tu as des capacités en toi de jeûner. De jeûner, 16h, 15h. De faire la prière de la nuit. D'être dans suhoor pour faire la prière de subh. Tu te découvres des choses énormes que tu peux apprendre. Alors, c'est un apprentissage divin spécifique pour ce mois béni. Et le corps, prends soin de ce corps-là. Rasoul Sassim dit, « Somo tasehu. » Jeûnez, vous allez guérir. Guérir physiquement, et tous les docteurs, ils ont des recherches qui parlent que de ça et qui glorifient, alhamdoulilah, ce miracle dans cet acte d'adoration-là. Et avec ça, il y a la spiritualité. On se nettoie, on se purifie. Et jamais, jamais on doit sortir de ce mois-ci comme on était auparavant. Nous aurions des acquis, on doit garder ces mérites-là, les retravailler, les mémoriser et vivre avec, inshallah, avec soi-même d'ailleurs, avec sa famille et dans la société dans laquelle nous sommes. Je termine cette intervention en ouvrant, alhamdoulilah, grâce au verset que j'ai cité tout à l'heure, que tout ce mois-ci, tout ce que tu vas faire, c'est pour atteindre la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux diversifier les actes, les paroles, le dhikr, le dua, l'aide, l'entraide, le don, et aller à l'autre et aimer les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous valide notre jeûne, qu'il l'accepte, qu'il nous donnera le maximum de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse profiter de cette sagesse et de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer davantage parce qu'il nous a ouvert encore une porte pour l'aimer davantage, pour le connaître davantage, subhanahu wa ta'ala. C'est le clément, c'est le miséricorde. Allahumma barik lana fi ramadan, Allahumma arzuqna rahmat ramadan wa ghufran ramadan wal 'itq min an-nar ya arhamar rahimin amin. والسلام عليكم. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه
نعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربي. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. الحبيب وكلنا لك ناشق ولطيب وصلك. السلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui, nous allons parler du discours que va faire Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le Négus d'Abyssinie. Alors ce discours, il est magnifique, car il nous montre les vraies valeurs de l'islam. Alors, avant tout, je vais vous remettre dans le contexte. On est à la Mecque, ça fait plusieurs années que l'islam a commencé, a débuté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite que l'islam se propage aussi dans le continent africain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer une partie importante de ses compagnons. Et à la tête de ses compagnons, on a Ja'far de l'autre côté de la mer Rouge, en Afrique, dans le royaume d'Abyssinie, où il y a un roi qu'on appelle le Négus et qui est chrétien. Mais surtout, c'est un homme juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte, après bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala, sur la justice de cet homme. Mais les habitants de la Mecque, qui à l'époque persécutaient les musulmans, ne souhaitent absolument pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussisse à l'étranger. Et donc ils vont envoyer deux ambassadeurs pour que les musulmans reviennent à la Mecque. Ces deux ambassadeurs, alors il y en a un qui est connu, l'autre l'identité elle est un peu douteuse. Mais celui qui est connu est Amr Ibn al-As. Alors quand il arrive en Abyssinie, il va aller voir le Négus, il va lui dire « Écoute, il y a des gens qui perturbent notre peuple, qui insultent nos dieux, qui nous traitent de criminels, etc. » Donc il va dresser Amr Ibn al-As un panneau très négatif et très noir de l'islam et de la communauté musulmane pour tromper le roi d'Abyssinie, pour qu'il renvoie tout de suite les musulmans. Très bien. Mais, comment dire, le Négus est un homme qui est juste. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les musulmans là-bas.
Et comme il est juste, il va convoquer les musulmans et il va demander à Ja'far, le cousin du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de présenter ce qu'est l'islam pour qu'il puisse se forger sa propre opinion. Et c'est ça, être juste. Dans la vie de tous les jours, vous savez, il peut y avoir des conflits. On va nous dire des choses sur telle personne, sur notre maman, sur notre belle-mère, sur notre chef d'entreprise, je ne sais pas qui encore. Mais il faut toujours, toujours écouter l'autre partie. Ça, c'est un enseignement important. Car si on n'écoute pas l'autre partie, alors c'est être injuste en vérité. Apprenons à écouter les deux groupes et à se forger librement sa propre opinion. Ça, c'est un des enseignements forts. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet que je souhaitais aborder en réalité aujourd'hui. Je voulais plutôt m'arrêter, et c'est ce que je vais faire maintenant, sur le magnifique discours de Ja'far. Eh oui, puisque quand il va présenter l'islam au négus, alors il va le présenter d'une manière mais vraiment exceptionnelle. Il nous montre ce qu'est l'islam, l'essence de l'islam. Alors écoutez bien, je vais lire le discours et ensuite je tirerai des enseignements spirituels mais aussi contemporains. Donc Ja'far va dire devant le négus, « Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance, nous adorions des idoles, nous vivions dans la luxure, nous mangions la bête morte, nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi nous étions, jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues et appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu. Rejetant l'adoration des idoles, nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Le discours est en réalité un tout petit peu plus long, mais c'est là l'essentiel du discours qu'on voudrait analyser ensemble. La première chose, remarquez que quand on va demander à Ja'far de présenter l'islam, il va directement vers l'essence de notre religion. Il va vers ce qui est fondamental. Il ne va pas s'arrêter à des détails. Des détails où il peut y avoir des milliards de débats sur le dessin, la musique, etc. qui sont, comment dire, vraiment des branches comme ça, des détails de notre religion, ce qu'on appelle des furu'. L'essentiel, il est dit ici par Ja'far. Quand on lui demande c'est quoi l'islam, c'est ça sa réponse. Et là, il est en train de nous exposer la révélation du Coran dans la période mécoise. Et oui, c'est pour ça que le musulman, déjà, il doit avoir le sens de la priorité. Qu'on lui demande de parler de l'islam, qu'il nous parle de ce qui est prioritaire, de ce qui est important. Après, dans le domaine du perfectionnement, on peut aller dans d'autres détails, où il y a des débats hein, par rapport au monde contemporain. Mais subhanallah, ne mélangeons pas tout. Ne faisons pas des choses secondaires, des choses prioritaires dans notre religion, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait pas dans le Coran, subhanallah. Quelle erreur que de réfléchir de la sorte. La période mécoise. Vous savez, la révélation du Coran, elle est construite sur 23 années. 13 années à la Mecque, ensuite il y a l'Égypte et on a 10 années à Médine. Les 13 premières années de la révélation, c'est comment dire, le cœur de l'islam qui est révélé. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la spiritualité, au bon comportement et à la relation à Dieu. C'est-à-dire la croyance dans le monde de l'invisible, ce qu'on appelle la théologie. Et c'est à Médine plus tard. Sur cette base spirituelle et sur cette base théologique que les règles du droit musulman vont être révélées. C'est une continuation de ce qui est spirituel et théologique, hein, ce qui est révélé dans le domaine du licite et de l'illicite dans la période médinoise. Et donc là, on est face au cœur de l'islam, le cœur de la révélation. Et quand on lui demande de présenter l'islam, eh bien c'est ça l'islam, c'est ça l'islam. Regardez, hein, je relis quelques passages. Donc on parle de respecter les liens de parenté, le respect de nos parents, quelle que soit leur confession. Même s'ils sont mauvais, on ne doit pas leur dire « ouf ». Nos parents, on doit les, comment dire, les saluer. Ça peut être comme ils sont, on les salue, Inch'Allah Ta'ala.
quoi qu'il puisse arriver. On ne coupe pas ce lien-là. Le devoir avec les bons voisins, la bonne attitude, le bon comportement qu'on doit avoir avec le voisinage. Hein, le plus fort, il ne doit pas dévorer le plus faible. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était proche des plus faibles. Il était proche des orphelins. C'est ça, le véritable croyant. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui préfèrent être proches des hommes d'État, proches des gens puissants. Les choses, malheureusement, se sont inversées. Plus loin, il est marqué, il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu. Il nous a ordonné de dire la vérité. C'est ça aussi l'islam. Être honnête, dire la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les menteurs. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mentir et le mensonge, ben, c'est parmi les petits signes d'hypocrisie chez le musulman. Et il l'a invité à quoi encore? Regardez l'islam des débuts. Ça, c'est le minimum qu'il doit y avoir chez nous, subhanallah, chez chacun d'entre nous, chez chaque musulman, de tenir nos engagements. Allahu Akbar. D'être miséricordieux. Là, on a besoin de miséricorde dans ce monde qui va très mal aujourd'hui, où il y a des atrocités qui sont commises dans le monde tout entier. D'honorer les droits de la famille et de nos voisins. De ne pas verser le sang. On polémique souvent sur... tuer, pas tuer, je ne sais pas quoi, nanana, la guerre, ne pas verser le sang. Depuis quand verser le sang, c'est quelque chose de bien? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a du sang qui a été versé à son époque, et ça sera, inshallah ta'ala, on le reverra avec plus de détails, c'était vraiment parce qu'il était agressé, c'est parce que les musulmans, ils étaient combattus. Mais je rappelle que pendant cette période mécoise de 13 années, il y avait une interdiction de se battre. Vous savez pourquoi? Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il voulait institutionnaliser ses vertus et ses comportements dans les cœurs des croyants, pour que quand ils se battent pour une bonne cause et ils se défendent face à une agressivité. Sinon, ils vont verser le sang, comme certains font aujourd'hui, malheureusement. Non. Donc, les musulmans ne sont pas des barbares, ce sont des gens qui sont éduqués par le Coran, à travers un apprentissage, de nous détourner des turpitudes, etc. Vous savez, si on arrivait aujourd'hui, à notre époque, à vivre toutes ces vertus et tous ces comportements. Et il faut essayer de se challenger pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah. Pendant le mois du Ramadan, pourquoi pas essayer d'atteindre ces bons comportements, ou au moins, si on est vraiment trop loin, deux ou trois de ces bons comportements. Ben moi, je dis toujours que si on y arrive, ça sera la meilleure manière de lutter contre ce qu'on appelle en France l'islamophobie. Car là, si vous avez un comportement comme il avait Ja'far, comme il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui vous entourent, ils vont vous respecter. Les gens qui vont vous entourer, qui vous entourent, que vous rencontrez au travail et à l'extérieur, au marché et partout où vous irez, ils vont vous aimer aussi. Car ces comportements-là sont des comportements universels qui vont créer chez celui qui est en face du respect et de l'amour. Même si c'est quelqu'un qui déteste l'islam, sa haine, son obscurité va se friter, va s'effriter, se casser, se détruire. Et il y a une lueur d'espoir et une lumière qui va toucher son cœur, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tahadou, tahabou, offrez-vous des cadeaux, ça va générer de l'amour. » Et ces bons comportements-là, c'est la manière la plus efficace pour contrer l'islamophobie et pour contrer tout le discours de haine, parfois, qu'on peut entendre gratuitement, sur certaines, malheureusement, chaînes de télévision. Voilà, donc ça, je souhaitais le souligner et le dire en ce mois béni. Et enfin, pour terminer, parce qu'il y a tellement à dire sur ce discours, remarquez qu'on n'est pas dans un débat stérile non plus. Ja'far, quand on lui demande de présenter l'islam, il n'est pas en train de dire « Oui, vous, les chrétiens, on n'est pas d'accord avec vous, vous dites n'importe quoi, Jésus n'est pas le fils de Dieu ». Il n'est pas dans un débat stérile, un débat où l'autre il a sa croyance et nous on a la nôtre. Ce n'est pas à l'ordre du jour ça, le fait de débattre de manière intellectuelle, on est d'accord, pas d'accord. Ça c'est quand il y a une confiance qui est établie. Ici on demande de présenter l'islam. Très bien, donc on va parler de points communs, d'un tronc commun, universel. On se rejoint tous dessus, on va apprendre à se respecter, on va apprendre à s'aimer, c'est la base. Et puis un jour, Inch'Allah Ta'ala, on parlera de nos désaccords et chacun ensuite sera libre de ne croire ou de ne pas croire. Et chaque être humain, il a cette liberté. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord, qui va juger les individus. Mohammed est un rasoul, un messager. Il n'a pas
comment dire, il n'a pas tué et massacré les gens pour qu'ils deviennent musulmans. Une foi ne s'impose jamais. Hein, c'est à travers la discussion qu'on espère, et à travers notre doua, qu'on espère que les gens se tourneront vers l'islam. Vous voyez, donc ce n'est pas un débat stérile, c'est un débat, inshallah ta'ala, où vraiment on s'accorde dans notre humanité, dans un discours qui est humain, fraternel, où tout le monde est d'accord, toute personne avec une certaine conscience et une bonne foi est d'accord. Quant au désaccord, on a toute notre vie pour en parler. Voilà comment était Ja'far, voilà son discours, mais on pourrait en dire tellement des choses. Inch'Allah ta'ala, on espère développer d'autres points à travers d'autres interventions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulmans de France, assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux et celles qui l'auront suivi. Et bien, comme vous le savez, pendant ce mois béni de Ramadan, la 37e rencontre annuelle des musulmans de France s'invite chez vous et nous avons le plaisir aujourd'hui, l'honneur de recevoir notre sœur Ousteda Ella Khoumsi. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Comment se passe ton confinement? Pour dire la vérité, très bien. Bon, tout se passe bien. Je crois qu'en tant que croyant, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, il est toujours dans le bien. Lorsqu'il est touché par un bien, il est dans le remerciement. Lorsqu'il est éprouvé, il est patient et ceci est un bien pour lui. Alhamdoulilah. Je crois que Dieu nous a offert une occasion déjà pour se préparer, pour vivre ce mois béni. Et puis encore, on est encore en confinement pendant une partie peut-être de ce mois. Et j'espère qu'on pourra en tirer un profit, un grand profit. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que tu es professeur d'éthique au lycée Averroès. Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'une thématique qui est le sens et les finalités du mois de Ramadan. Alors effectivement, souvent ou certains jeûnent ce mois sans vraiment trop savoir pourquoi. Ils jeûnent sans aucun sens, sans savoir quelles sont les finalités ou les bienfaits de ce jeûne sur notre corps, mais aussi sur notre esprit. Alors, est-ce que tu peux nous parler, en guise d'introduction, des bienfaits de ce mois de Ramadan de manière générale? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala ashraf al-mursaleen. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Le mois de Ramadan est un cadeau divin. C'est une opportunité, c'est une occasion en or qu'Allah nous offre tous les ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande de pouvoir parvenir à vivre ce mois. Il y a des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, c'est de demander « Ô Seigneur, fais-nous parvenir à vivre ce mois » pour pouvoir justement cultiver, pour pouvoir profiter de ces bienfaits. Donc, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour renouveler notre foi, pour renforcer notre volonté, pour faire une révolution contre nos péchés
et pour exercer nos esprits à délaisser des choses qu'on aime, à délaisser nos plaisirs et nos désirs licites, bien entendu, qu'on fait pendant hors mois de Ramadan. Pourquoi ? Par obéissance de l'ordre de Dieu. Alors, c'est vraiment un moyen et une occasion, du coup, pour chaque être de pouvoir se réformer. Voilà. Donc, c'est une occasion en or, comme je viens de le dire, pour pouvoir se réformer. Pour se réformer, et je reviendrai tout à l'heure, pour arriver à une réforme, nous avons avant tout une obligation de s'auto-critiquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'analyser ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait, ce que nous avons manqué, ce que nous avons pu faire ou nous aurions pu faire, et regarder avec un regard réel, essayer d'aller au fond de nous-mêmes pour prendre conscience de notre état. Et lorsque on le fait d'une façon réelle, d'une façon objective, dans une démarche de vouloir évoluer, on va voir clair de où nous sommes, qu'est-ce qu'il nous manque, que devons-nous faire pour avancer, pour s'améliorer. Parce que vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je suis étonné de la personne qui a la même prière aujourd'hui et le lendemain, la veille et aujourd'hui. Ça veut dire que même la prière, elle doit être en perpétuelle évolution. On doit évoluer, on doit changer vers le meilleur. Et dans toute notre vie, toutes nos pratiques, on doit chercher, on doit être en quête d'évolution, d'amélioration, inchallah. Donc oui, le jeûne va nous permettre, ou l'état de jeûne, le mois de Ramadan, va nous permettre d'essayer de voir ce qui va en nous, ce qui ne va pas, pour ne pas stagner ou arriver à l'auto-satisfaction, dire « Ah bah moi je suis bien, j'ai rien qui ne vaut la peine » ou « J'ai pas besoin de me revoir, j'ai pas besoin de m'auto-critiquer ». Non, on a tous besoin d'évoluer, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit que lui-même il est voulu. Alors si lui il est voulu, et qu'est-ce que dirons-nous de nous ? Nous-mêmes, on a besoin d'évoluer pour espérer être agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin d'autre chose, c'est de revoir notre sincérité. Et ça, c'est une base. Revoir notre sincérité pour nous remettre sur les rails, pour être sûr, inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous nos actions et qu'on soit toujours sur la voie de la droiture dans cette volonté de plaire et de satisfaire le plus haut. Du coup, c'est vraiment une remise en question et une conscientisation aussi de l'esprit. C'est-à-dire, on va se remettre en question et on va se dire, voilà, il faut vraiment que j'apporte des améliorations dans ma pratique, dans ma spiritualité, et notamment pendant ce mois de Ramadan, pour qu'il puisse prendre tout son sens. Bien sûr. Donc, comme j'ai dit, le musulman, il est en quête d'amélioration tout le temps. Là, c'est une occasion, c'est une station qui s'offre à nous pour qu'on puisse faire ce travail. D'accord ? En plus de tous les autres enseignements, qu'on essaiera de voir quelques-unes d'entre elles, que le mois de Ramadan va nous apporter. Déjà, pour jeûner le mois de Ramadan, pour rentrer dans le jeûne, nos savants, ils nous demandent, c'est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, nos savants nous expliquent que nous devons faire une intention globale. Vous savez, une intention globale de jeûner ce mois. Pourquoi cette intention globale et que nous devons la renouveler tous les jours ? Alors, de suhoor ou le soir, comme on peut. Pour justement donner ou ravifier notre sincérité. Pour que lorsqu'on fait quelque chose, on ne le fait pas par automatisme, on ne le fait pas par habitude, on ne le fait pas par tradition. On le fait en étant conscient complètement de nos actes et des buts de nos actes, de ce que nous cherchons à travers nos actions. Bien entendu, nous cherchons à travers tout acte d'adoration, tout acte de notre vie, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, « Qul inna salati » dit que mon office, « Qul inna salati wa nusuki » et mes sacrifices, dit que mon office, mes sacrifices sont dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune association. Lillahi Rabbil Alamin, pour le Seigneur, le Maître des mondes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dirige toutes nos
actions, c'est lui et c'est à lui qu'on veut plaire. Alors, dans ce cas, tu résumes la finalité du mois de Ramadan, ce à quoi nous devons aspirer. Et justement, pour y arriver, il y a, j'imagine, tout un tas de choses que nous devons mettre en pratique pour que, voilà, nous puissions vivre un mois de Ramadan spirituel. Et voilà, vivre un mois de Ramadan qui va au-delà de se contenter de s'abstenir de boissons et de nourriture. D'ailleurs, je reviens un petit peu pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit, dans un verset coranique bien entendu, il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam » كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô les croyants, le jeûne, où Dieu vous a prescrit le jeûne, comme il l'a prescrit pour ceux qui vous ont précédé, peut-être, ou afin que vous atteindriez la piété. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il nous appelle par « Ô les croyants ». Il nous rappelle cette relation avec lui qui est une relation de foi avant tout. Il nous rappelle que nous sommes une communauté de foi. Et c'est un appel doux qui fait appel à toi le croyant, tu es différent des autres. Hein. Toi le croyant, tu es désigné par cette obligation, par cette prescription. Oh les croyants, Dieu vous prescrit le jeûne. Et bien entendu, il parle du jeûne du mois de Ramadan parce que c'est le jeûne obligatoire. Après, il nous dit, vous êtes comme les communautés qui vous ont précédé, à qui on a aussi prescrit le jeûne, pour nous dire qu'il y a une continuité dans le message, puisque ça vient du Seigneur, le Très-Haut, l'unique, qui est le Seigneur de tous les prophètes, et de tout l'univers et de toute l'humanité à travers l'histoire. Donc, il nous rappelle notre appartenance aux différents messagers, aux différents messages qui ont existé auparavant, pour nous dire qu'il y a une cohérence aussi entre les différents messages. Et après, on va vers l'essentiel, pour nous dire et nous annoncer quel est le but du jeûne. Parce que le jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de boire, c'est plus que ça. Alors on est en quête de piété. On est en quête de piété pour que, afin que vous atteindriez la piété. Qu'est-ce que la piété? Voilà, et comment y parvenir? Alors, qu'est-ce que la piété déjà? La piété, c'est la réforme de l'individu dans sa globalité. La réforme de l'intellect avec le savoir. La réforme du cœur avec la foi. La réforme de l'esprit avec les bonnes mœurs, le bon comportement. Donc, c'est une réforme globale. Bon, il y a une autre définition qui est connue par tout le monde, qui a été dite par Sayyidina Ali, radiallahu anhu, qui dit « At-taqwa, la piété, hiya al-khawfu, at-taqwa, hiya al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-ista'dadu li-yawm al-rahil » qui veut dire « La piété, c'est la crainte du majestueux. » C'est la mise en application de la révélation, des enseignements, des injonctions, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la préparation, taqwa, c'est être prêt pour le jour du départ. Certes, on ne sera jamais prêt pour le jour du départ. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider déjà à être sur les rails, à vouloir être prêt, à vouloir être dans cette démarche de vouloir lui plaire. Avoir cette intention. Et avoir l'intention et être dans la démarche. Vouloir. On fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Et d'en faire en ce qu'on peut, ça évoque beaucoup de choses. Lorsqu'on se dirige à Dieu pour lui demander pardon, avec la meilleure des paroles, avec Saïd l'Estarfar, au milieu, on dit « Seigneur, j'essaie de tenir mon engagement et mes promesses envers toi de mieux ce que je peux. »
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de mon mieux, mais certainement je suis incomplète. Je suis faillible, je vais faire des fautes, je pêche. C'est normal. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain fait des bêtises, fait des fautes, fait des péchés. D'accord? Donc on revient. La piété, c'est un état qui va nous permettre d'être sensible, d'avoir un cœur présent, d'être sincère pour, dans l'application de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est simple, justement, d'essayer d'avoir cette piété, d'atteindre cette piété? Est-ce qu'elle est accessible à tous? Oui, bien sûr. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'un de nos buts, c'est de l'atteindre, c'est que c'est accessible. Parce que Dieu nous donne ou nous demande que ce qui est accessible. Les choses qui sont hors portée de l'homme ne sont pas demandées à l'homme. D'accord? Mais, bien entendu, il y a un effort. Il y a un effort à faire. Ça ne viendra pas comme ça. Il y a au début, une prise de conscience. La prise de conscience, une réflexion forte et une mise en application et en pratique. Parce que si on reste uniquement dans les rêves, que dans les paroles, ben ça ne suffira pas. Il faut qu'on vit notre foi, la vivre, la mettre en pratique, qu'on soit dans tous nos états, dans une pratique. Dans tous les épisodes de notre vie, même de notre journée, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, d'ailleurs, le jeûne du mois de Ramadan va nous entraîner à l'être. Parce que le jeûne du mois de Ramadan nous apprend une chose, une des choses, on va citer quelques-unes, si Dieu le veut. Une des choses que le jeûne nous apprend, ou nous enseigne, c'est muraqabat Allah, ressentir la présence de Dieu à chaque instant et à chaque moment. Et lorsqu'on sent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, bah, on est dans l'état de l'excellence. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini en parlant de l'excellence. Il dit, l'excellence, c'est d'adorer Dieu comme si toi tu le vois. Mais sache que même si tu es incapable de le voir, lui, il te voit. Donc, être dans cette... Et le mois de Ramadan, il nous le fait sentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si je jeûne ou je ne jeûne pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, hein, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « As-sawmu li » ou ça commence « Illa as-sawmu li wa ana ajzib » Le jeûne est pour moi et pour moi, le jeûne est pour moi et c'est moi qui donnera la rétribution qu'il faut pour le jeûneur. Parce que toutes les autres adorations, on les voit, les gens peuvent les voir. Plus ou moins. Sauf le jeûne. Je peux prétendre jeûner, mais je ne suis pas dans un état de jeûne. Je ne jeûne pas, réellement. D'accord? Il n'y a que le corps qui jeûne, qui s'abstient de nourriture, et après tout le reste ne jeûne pas. Et même ne pas s'abstenir de nourriture. Il peut s'abstenir de nourriture devant les gens, et après il peut manger ailleurs. D'accord? Alors que je peux prier, finir toute la prière. Si une personne qui est dans l'hypocrisie, elle peut finir toute la prière, elle l'a fait. Mais le jeûne, tu te prives des choses essentielles, vitales, quand même. L'eau, la nourriture. Pourquoi? Par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu l'aimes et tu veux te rapprocher de lui. Et il n'y a que lui qui sait. Et Allah estime le jeûneur. Parce que tu es dans une démarche qui est exclusivement entre toi et Dieu. C'est entre moi et lui. Intime. Personne d'autre, c'est intime, très bien. Il n'y a personne d'autre qui peut pénétrer là-dedans. Et ça, c'est merveilleux. Déjà, ressentir cela, c'est merveilleux. Ressentir que Allah, il est là, il est à mes côtés, à chaque instant, ça va nous aider à rester droit. Et en même temps, on va ressentir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a proximité, on va sortir l'accompagnement de Dieu. Et qui dit accompagnement en arabe, al-ma'iyya, c'est une valeur grandiose. C'est merveilleux. Si on est avec Dieu, personne, ou Allah est avec nous, ben personne ne peut être contre nous. Tu sais, juste à t'écouter,
j'arrive à ressentir justement cette rahma, cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à nos téléspectateurs qui nous écoutent de pouvoir individuellement ou en famille, vu qu'on est confiné, de pouvoir justement essayer de ressentir cette intimité et cette douceur que l'on peut ressentir entre nous et notre Seigneur dans notre jeûne au quotidien. J'ai parlé tout à l'heure dans la réforme, il y a la réforme, le savoir, la science, ça aide. Avoir la connaissance, ça nous aide. Et la pratique, pratique après pratique, on s'élève et on monte. Et on apprend à patienter avec le jeûne. Je reviens, s'il te plaît. Avec le jeûne, on apprend, c'est une école, c'est de la patience. Parce que tu es là, moi je le dis même à mes élèves, je sais que vous êtes forts. Parce que vous êtes capables de passer à côté de choses que vous aimez tant, mais au mieux vous allez les garder pour le soir, pour essayer de les déguster. Mais pendant votre jeûne, vous êtes solide, vous êtes patient. Donc, vous êtes patient, vous êtes solide, vous êtes endurant, vous êtes capable de patienter dans d'autres actions, dans d'autres bonnes actions. La patience se fait dans trois niveaux. Il y a la patience à la ta'at, la patience de faire le bien. Parce que notre esprit, notre âme, on aime bien la paresse, on aime bien le repos, on n'a pas envie plutôt de faire beaucoup d'efforts. Donc, on tire vers le bas. Mais avec la patience, l'endurance, non, on s'oblige. On s'oblige à faire des choses. On se maintient, on essaie de se maintenir pour continuer, pour faire ceci, pour faire cela, et pour faire encore d'autres actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de patience pour ne pas toucher, pour ne pas s'approcher des mauvaises actions, pour ne pas les faire. Certes, tu dois patienter, tu dois te retenir pour ne pas y toucher. Et on a besoin aussi de patience devant les épreuves. D'accord ? Et devant les épreuves, certes, si tu n'es pas patient, ça ne va rien faire. De toute façon, tu ne vas pas... Si j'ai perdu mon père, l'Irham, je ne suis pas patiente, est-ce que je vais le faire retourner sur terre ? Non, il ne retournera plus. D'accord ? Mais lorsque, certes, on a le droit d'être chagriné, d'être triste, d'être malheureuse, de pleurer, mais on n'a pas le droit de contester, on n'a pas le droit de contester la volonté de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que mon père soit décédé, c'est la décision de Dieu et tout lui appartient. D'accord ? Mais moi, j'ai le droit de me chagriner, mais je patiente. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me récompenser pour ma patience. Donc la patience, c'est quoi ? C'est ne pas contester la volonté de Dieu. De dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». On vient de Dieu et vers lui sera le retour. D'accord ? Donc la patience, elle se fait là. Et Allah aime les patients. Il le dit dans un verset coranique, dans plusieurs versets coraniques. « Inna Allah yuhibbu sabirin ». Dieu aime les patients. Donc, la patience va engendrer l'amour de Dieu. Et lorsqu'on est aimé, c'est un cycle en fait. Et lorsqu'on est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est protégé et préservé. D'accord ? Donc, pour pouvoir vivre cet état de spiritualité, il faut mettre en application les choses. Lorsque, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jeûne, ou le jeûneur, pardon, a double joie. Il a une joie lors de la rupture de son jeûne, et il a une autre joie le jour de sa rétribution, le jour du jugement. Mais pourquoi la joie pendant la rupture du jeûne ? La joie d'avoir accompli une obligation. La joie d'être dans l'adoration. Vous savez, lorsque nous faisons des actes de bien, les actes qui valent, tu sens que tu plaignes. Tu sens que que t'es bien, hein? Comment dirais-je? Que t'es en train de vivre un moment... Petit nuage.
Voilà, tu es sur un nuage. Tu es en train de vivre un moment très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même lorsque, et là, je passe à une autre finalité du jeûne, par exemple, le développement de ressentir, plutôt de ressentir la souffrance des autres. Donc, le développement de la générosité. Hein? Et on sait tous à quel point les gens bienfaiteurs, les généreux, sont bien estimés et bien récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'ils vont attirer le bien pour les autres. Donc, ça dépasse leur personne. Lorsque je prie pour moi. Et c'est moi la principale, c'est moi l'unique personne qui va profiter de cette prière. D'accord ? Mais lorsque je fais un don, qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a d'autres personnes que je vais leur apporter l'aide, le soutien, la joie. Donc, dans ces actions qui dépassent ma personne ou le bien pour ma personne, pour les autres, ils ont davantage de poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des personnes qui sont pendant le jugement et qui malheureusement allaient être parmi les gens de l'enfer. Ils disent, ô Seigneur, fais-nous retourner sur terre, redonne-nous la vie, on va faire des dons. Pourquoi ils ont dit ça? Les savants nous disent parce qu'ils ont vu la grandeur ou l'ampleur de la récompense des donateurs. Les gens qui donnent ont une grande récompense. C'est pour cela que les gens, le jour du jugement dernier, espèrent revenir pour faire la même chose qu'eux. D'accord? Donc nous, nous avons la possibilité de développer cette empathie, cette générosité vis-à-vis des autres. Et le mettre en application. Et ceci va nous donner la joie. Comme toute autre pratique. D'accord ? Le jeûne du mois de Ramadan aussi, parmi les leçons qu'il nous donne, c'est l'organisation et la ponctualité. La ponctualité. Parce qu'on a une heure précise pour arrêter de manger, une autre heure précise pour rompre le jeûne. Et bien entendu, notre journée, elle est ornée par nos prières, qui sont des heures précises, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, les prières sont à faire dans des heures précises, bien déterminées. Donc, et Dieu sait combien nous avons besoin de ponctualité et d'organisation de notre temps. D'accord ? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, combien de fois il a juré par le temps pour, et combien de temps, combien de fois dans, à l'intérieur des sourates, il nous parle du temps pour nous interpeller, pour bien l'utiliser. Certes, nous sommes en confinement, certes, on va dire que le travail n'est pas le même, on ne travaille pas de la même façon, mais si on n'organise pas notre journée, on ne peut pas tirer profit pendant ce bon mois béni. Donc, nous avons une opportunité qui est là, mais si on n'avance pas pour la saisir, si on ne s'organise pas pour la saisir, ben malheureusement, elle va filer. On est déjà en deuxième jour. Attention, ça passe vite. Ça passe super vite. Ça passe vite le mois de Ramadan. Si tu n'as pas un programme bien ficelé et que tu essaies d'observer les heures, à telle heure je fais ceci, à l'autre heure je fais cela, ben malheureusement, ça peut filer, ça peut passer, sans qu'on puisse vraiment faire tout ce que nous avons envie de faire. Donc, c'est à la fois patienter, mais aussi s'organiser de sorte à bien occuper son temps et ne pas laisser dépenser notre temps futilement. Alors, il nous reste très, très peu de temps, Leïla Khamsi. Pour conclure, si tu as un dernier enseignement à nous donner, et puis on laissera l'antenne pour les autres activités de cette télé. Donc, il faut se rendre compte que le jeûne, il a une influence et il doit avoir une influence majeure sur notre comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de se préserver de toute obscénité, de toute vulgarité. Et même si quelqu'un nous insulte, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-lui je jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux garder mon état de pureté. Je ne veux pas me souiller, si vous voulez. Et il dit dans un autre hadith que si la personne ne s'arrête pas
de médire, de calomnier, parler sur le dos des autres, de mentir. C'est pas la peine qu'elle se prive de sa boisson ou de sa nourriture. Donc, cet état de jeûne, elle doit être globale. J'essaye de m'améliorer sur tous les plans. Scientifiquement, davantage de lecture, plus de science. Quelles sont les choses que nous pouvons faire pendant le mois de Ramadan, d'une façon pratique et en confinement? Nous sommes en famille, grâce à Dieu. Donc, nous avons la possibilité de vivre un Ramadan d'une grande qualité, pour ne pas dire excellent. Exceptionnel. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais il va être exceptionnel par la proximité avec Dieu. Donc, depuis avant le Fajr jusqu'à après Tarawih, nous avons tout un programme à mener. Chacun, bien entendu, on ne peut pas imposer. Chacun, il voit, lui, ce qu'il peut faire. Si je pouvais finir le Coran 3-4 fois lorsque je travaillais, je peux peut-être faire plus. Si je peux le finir une fois, je peux faire un plus. Si je pouvais lire, parce que chacun, comme j'ai dit, chacun selon ce qu'il peut. Et Dieu jugera les gens selon ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas uniquement selon ce qu'ils font. D'accord ? Si moi, j'ai 10 euros et je donne 5 euros, ce n'est pas la même chose que si j'ai 10 000 euros et je donne 1 000 euros ou 1 euro ou 10 euros. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Chacun selon ses capacités, son pouvoir. Mais le tout, l'essentiel, c'est d'être dans cette démarche de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens. Donc, on va développer la lecture du Coran, les prières collectives, les invocations ensemble, les actes de charité, les œuvres de charité, les dons. On peut développer énormément l'assistance aux personnes qui sont dans le besoin d'assistance, les liens familiaux, avec malheureusement on ne peut pas voir tout le monde, les appels. Donc on peut développer énormément de bonnes actions et surtout profitant de chaque instant parce que ça passe et ça passe trop vite. Et après, la preuve que nos actes, que nos bonnes œuvres sont agréées, sont acceptées, c'est qu'après l'Aïd, après la fin du mois de Ramadan, on continue à faire les bonnes actions. Ça, c'est le cachet que nos actions ou nos bonnes actions ont été acceptées. Certes, on ne pourra pas continuer avec la même intensité parce que pendant le Ramadan, on s'impose quand même un rythme plus rigoureux, plus dur. On ne peut pas finir comme ça tout le temps. Hein? Dormir qu'un petit peu, lire le Coran, je ne sais pas combien de fois, faire ceci, cela. On fait beaucoup d'efforts et tant mieux. C'est un entraînement pour pouvoir continuer sur la bonne voie avec l'intensité qu'on peut hors mois de Ramadan. Mais on espère que ce mois, Inch'Allah, nous attirera énormément de bienfaits, de nous remettre sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on mette la pendule à l'heure, on dit, pour qu'on puisse tirer profit et être meilleur tout au long de notre vie, Inch'Allah. Barakallahu fiki, Hela Khamsi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour traiter de cette thématique, sens et les finalités de ce mois de Ramadan. En tout cas, je te souhaite de passer un mois de Ramadan excellent, exceptionnel, vu les mesures de confinement. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Et nous allons, Le plaisir est partagé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son aide et son soutien pour qu'on puisse être obéissant à ses ordres et être le plus proche de lui et pour mériter, Inch'Allah, son amour. Amin. Barakallahu fiki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
lycée en général, ben, c'est un lycée comme les autres, mais qui a quand même sa spécificité. On retrouve, on a une liberté pédagogique qui est un peu plus large ici. Et on a un degré d'exigence et une pédagogie qui respecte l'éducation nationale, le programme de l'éducation nationale. Le point le plus fort de ce lycée, c'est en fait c'est l'ambiance entre les élèves et les profs, je trouve. Parce que en fait, les profs, ils sont toujours à notre écoute. Il y a beaucoup de débats entre profs et élèves, par exemple. Quand on a du mal à comprendre une certaine notion, les profs, ils sont là à essayer de nous expliquer et tout. Et ils perdent pas patience. Et en fait, c'est cette ambiance entre profs et élèves qui me plaît le plus. Quand je suis rentré ici, au début, j'étais dégoûté. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à aimer l'ambiance et la convivialité de ce lycée. Parce qu'en fait, les profs, ils sont très proches de nous et c'est comme si on était dans une famille. En fait, on a vu le lycée grandir. Il y a les bâtiments, genre les locaux, ils se sont agrandis. On a vu des profs venir et des profs partir, des élèves aussi. Bah, je vis au lycée une formidable expérience. Je pense que les élèves ont dû vous le dire, la force du lycée, c'est les relations qu'on peut nouer avec les élèves, qui sont souvent très chaleureuses, presque familiales. Et bon, on a affaire à des élèves qui sont plutôt généralement volontaires, sympathiques et qui rendent bien les efforts qu'on fournit pour eux. Ça a été une très belle expérience pour moi. Les élèves sont vraiment agréables, c'est un plaisir de travailler avec eux. Ce sont des élèves qui sont motivés, qui sont pertinents. Et c'est très intéressant de pouvoir passer ce temps-là avec eux. Le projet d'Averroès actuellement concerne principalement le bâtiment qui a été acquis en 2016, c'est-à-dire le bâtiment E, et les aménagements qui vont avec pour l'ensemble de l'unité foncière. Ce projet-là va contenir principalement des salles de cours supplémentaires et une salle de sport. La salle de sport était aux alentours de 620 m² et elle pourrait contenir jusqu'à 60-70 personnes. Il y a la création d'une dizaine de classes supplémentaires aux normes de l'éducation nationale, une salle de musculation et cette aile de bâtiment contient environ 250 élèves supplémentaires. Il est entendu que toute la partie devant serait consacrée à une cour. La partie où on a mis les algéco. La partie où il y a eu les algéco qui vont servir de transition entre l'état actuel et la fin des travaux. L'étage de ce bâtiment serait principalement consacré à l'administration. Il y a une dizaine de salles administratives qui va concentrer toute l'administration de l'établissement, que ce soit le lycée, que ce soit le collège. Donc en fait, depuis 2016, on a fait toutes les démarches administratives, on a préparé le projet, bien sûr, avec les allers-retours avec le maître d'ouvrage. Actuellement, on est au stade du permis de construire qui a été accordé. Les pièces administratives et les cahiers des charges sont terminés. Les consultations d'entreprises ont été lancées. Il y a même des retours de consultations d'entreprises. On peut dire ainsi que actuellement, on est prêt à démarrer. Ça prend combien de temps pour les travaux, Aziz ? Les travaux peuvent durer aux alentours de 8 mois à peu près. 8 mois ? Voilà. D'accord. C'est-à-dire, Inch'Allah, si tout va bien, on a tous ces éléments. À la rentrée 2020, on peut ramener les élèves bien sûr dans ces nouveaux locaux. Tout à fait.
Donc là, on est dans le bâtiment qui va être aménagé. L'entrée principale va se situer là où on a ce volet roulant actuellement. Donc les salles de cours vont être à droite et à gauche de ces poteaux. Et la salle de musculation, là-bas au fond à droite, juste à côté de la future salle de sport. À chaque travée correspondra une grande salle et le couloir au milieu. Donc en fait, les poteaux ils vont se situer d'un côté de l'accès vers les salles de cours. Et ce couloir mènera directement en face à la salle de sport. La partie qui va être réservée à l'administration, c'est ce corps de bâtiment à l'étage. La salle de sport actuellement, on a un plafond qui est relativement bas. Tout ça va être rehaussé pour avoir une salle de sport conforme avec un plafond extrêmement haut. On arrive à peu près à 7-8 mètres de hauteur sous plafond. La salle de musculation, c'est à ce niveau-là. Là où tu es. Là, tu es dans... La salle de musculation. Tu y es. Je peux faire la musculation. Non, pas encore. Pas encore. Ici, on se trouve dans les anciennes administrations de l'établissement qui a été acheté en 2016. Tout ce qui est ici va être refait, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau du cloisonnement. On va se retrouver avec un îlot central ici et une distribution centrale qui va distribuer les 10 salles administratives ou les 10 locaux administratifs et une salle de réunion d'environ 80 mètres carrés qui va se situer là-bas dans le fond, qui va servir de salle de réunion pour l'ensemble des administratifs. On a tout obtenu aujourd'hui, reste la réalisation. Qui dit la réalisation ? Et un budget. Aujourd'hui, le collège et le lycée Averroès ont besoin de ces 10 salles de cours, de cette salle de sport et de ces bureaux pour l'administration. Nous lançons un appel pour collecter 1 million d'euros. Le coût du projet, c'est 1 million d'euros. Si tout le monde, Inch'Allah, met la main dans la poche, on va y arriver. Parce que notre défi, c'est l'éducation, c'est la transmission du savoir. Et donc, il est de notre devoir aujourd'hui de mettre en place des structures telles que le lycée Averroès. La réussite, elle est là. La demande, elle est là. Chaque année, on a une grande, grande demande. Aujourd'hui, je suis fier parce qu'il y a des élèves qui sont sur le marché de l'emploi, des élèves d'autres qui continuent leurs études supérieures. Et nous avons même des élèves qui sont professeurs aujourd'hui au lycée Averroès. Hier, étaient des élèves. Aujourd'hui, ils sont professeurs au lycée Averroès. Et vous avez contribué aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, à cette belle réalisation. Le lycée Averroès, alhamdoulilah, il n'a rien à prouver. Il a prouvé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et il continue à le faire. Il est bien classé, le taux de réussite, il est là. La demande, elle est toujours là. Et on veut aller encore plus vers l'avant. On continue notre belle réalisation, tous ensemble, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La vie juridique que nous allons traiter aujourd'hui, c'est par rapport à la permission d'accomplir la prière de Tarawih pendant le mois de Ramadan avant la prière de l'Isha. Ce qui est connu, pratiqué, c'est que à Tarawih pendant le mois de Ramadan, c'est la prière surrogatoire, bien sûr, qui n'est pas obligatoire, qui s'accomplit après Salat al-Isha. Mais il y avait cet avis qui a été rendu par le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, dans la session 23, c'est la première fatwa, vu que pendant les mois d'été, le mois de Ramadan, pendant ces années
passé et ça reste encore, il arrive en période estivale où l'horaire de Salat al-Isha elle est assez tardive et l'horaire de Salat al-Fajr elle est un peu avancé, ce qui pose effectivement une difficulté pour pas mal de musulmans actifs, bien sûr, qui travaillent la journée par rapport au manque de sommeil. C'est-à-dire ça fait des nuits assez courtes et du coup, on manque de sommeil pendant la journée. Alors, est-ce qu'il y a un avis qui peut donner une facilité aux musulmans à la fois d'accomplir toutes ses obligations pendant le mois de Ramadan, qui est un mois d'action et de travail, mais aussi de profiter des bienfaits de ce mois, toutes les adorations, les actes cultuels qui sont hautement recommandés pendant ce mois. Rappelons tout d'abord que Salat al-Tarawih, cette prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accomplie au début dans la mosquée, et après lorsqu'il a vu que les compagnons viennent se rassembler derrière lui pour faire la prière, il a décidé d'aller faire la prière chez lui pour que les musulmans ne pensent pas que cette prière devient obligatoire à partir du moment qu'ils vont la prier toutes les nuits derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut attendre l'époque de Sayyidina Omar pour qu'il décide que les musulmans peuvent être derrière un seul imam, parce que là, il n'y a plus la légifération qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut amener une confusion entre le caractère surrogatoire de la prière de Tarawih et le caractère obligatoire des cinq prières connues. Mais cette prière, elle est recommandée pendant ce mois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih que l'imam al-Bukhari l'a rapporté, il dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Celui qui veille le mois de Ramadan, il parle bien sûr ici, selon les commentateurs, des nuits de Ramadan, « ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » c'est-à-dire il se retrouve avec ses péchés passés, pardonné par Allah Azza wa Jal grâce à cette prière. Et l'importance de cette prière surrogatoire, c'est qu'elle est une prière pendant le mois qui est le mois du Coran. Parce que dans la prière, on célèbre essentiellement le Coran et les musulmans ont l'habitude de finir tout le Coran pendant ce mois qui est le mois du Coran par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des mérites de ce mois, pourquoi il a été choisi qu'il soit le mois de jeûne, il nous dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » le mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé pour qu'il soit al-bayyinat, c'est-à-dire les signes, les preuves adressées à l'humanité. Les juristes consultent par rapport aux prières qui sont effectuées pratiquement toute la journée, mais il y a aussi des prières pendant la nuit. Ils ont divisé généralement les prières en deux catégories. Il y a ce qu'il appelle Salat al-Nahar ou Salat al-Layl, c'est-à-dire les prières du jour et les prières de nuit. Et Salat al-Tarawih, elle fait partie justement de la catégorie des prières de nuit. Car dans la définition des fuqaha, des jurisconsultes, lorsqu'on parle de la nuit commence avec le coucher de soleil, jusqu'à le lever de soleil. Tout ça, c'est la nuit. À partir du lever de soleil, jusqu'au coucher de soleil, c'est la journée. C'est-à-dire, la journée, elle est divisée en jour et nuit. Il y a des prières qui s'effectuent pendant la journée, lorsque le soleil est là, et notamment ici, al-dhuhr wal-asr. Et les autres prières pendant la nuit, al-maghrib wal-isha et également salat al-fajr. Alors, la prière de Tarawih fait partie des prières de nuit. Et si la nuit, dans leur définition, commence par al-maghrib, le coucher de soleil, c'est-à-dire après le coucher de soleil, c'est la nuit qui commence, et cette prière qui est considérée comme une prière de nuit peut être accomplie après salat al-maghrib, même avant salat al-isha. Et cet avis, elle est dites, si vous voulez, par des savants musulmans anciens. Nous trouvons un avis chez les Hanafites, dans l'école Hanafite, l'avis de Badr al-Din al-Aini ou Ibn Abidin, mais aussi chez les Hanbalites, comme Al-Mardawi, qui disait que Salat al-Tarawih, son temps, commence après Salat al-Maghrib,
jusqu'à l'aube. C'est-à-dire, toute cette plage horaire, c'est une plage qui est, bien sûr, où on peut accomplir Salat al-Tarawih. L'intérêt, de prendre cet avis, qui était aussi parmi les avis ou les moyens proposés par le Conseil européen de la fatwa, parce que aujourd'hui, dans des pays où le temps reste assez modéré, comme ici en France, mais dans d'autres pays, lorsqu'on va monter un peu plus vers le nord de l'Europe, la nuit devient de plus en plus courte pendant ces mois de l'été. Et du coup, ça devient très difficile. C'est ce moyen-là, c'est-à-dire on peut rompre le jeûne, bien sûr, après le coucher de soleil, et avant même le temps de l'Isha, nous pouvons commencer à accomplir Salat al-Tarawih. Et nous pouvons finir avec Salat al-Isha. Ou diviser Tarawih en deux parties, une partie le soir avant Salat al-Isha, et une autre partie que nous pouvons effectuer vers la fin de la nuit. Mais il est possible de démarrer Tarawih après Salat al-Maghrib, yani pour ceux qui vont faire la rupture du jeûne assez légère parce qu'ils veulent manger un peu tard, ils peuvent aussi commencer leur Tarawih après Salat al-Maghrib. Et je dis même que la prière de la fin de la nuit, parce que c'est Omar, lorsqu'il a autorisé que les musulmans soient rassemblés, qui font la prière de groupe derrière un seul imam pendant Salat al-Tarawih, il a dit une parole, il a dit « Na'm al-bid'atu hadihi », c'est-à-dire ce qu'il a fait, le prophète Hassan ne l'a pas fait, parce qu'il n'a pas voulu que les gens prient avec lui pour qu'il n'y aura pas cette confusion par rapport au statut de cette prière, est-ce qu'elle est surrogatoire ou obligatoire, mais il a dit « Moi, je le fais ». Mais il a dit après « Wallati anamuna anha afdal min allati yaqumun wa qalu yuriduna akhir ». Il a dit « Mais il y a une autre prière qui est encore plus importante que celle qui vient au début de la nuit, qui est la prière dans le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire le moment de As-Sahur. » Et c'est peut-être parmi les raisons que As-Sahur il a une importance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Tasahharu fa inna fi as-sahur barakah », il nous recommande vivement de se lever le matin avant l'aube pour As-Sahur. Sahur, après, ça dépend chacun qu'est-ce qu'il veut manger ou boire. Il peut même manger légèrement s'il ne peut pas manger beaucoup pendant As-Sahur. Mais l'essentiel, c'est d'être éveillé à ce moment-là, avant l'aube, avant Al-Fajr, ce qui lui permet de profiter de ce dernier tiers de la nuit, comme le savons, qui est très important. يعني الثلث الأخير من الليل وقت السحر والنبي صلى الله عليه وسلم il a beaucoup recommandé qu'on fasse les prières nocturnes pendant ce dernier tiers de la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes de miséricorde. Et c'est le moment précieux, propice pour l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Le Coran nous dit « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » C'est-à-dire le fait de réciter le Coran pendant ce temps-là, c'est aussi un acte privilégié, un acte récompensé, parce que cette récitation, elle est assistée par les anges qui sont présents. Et je dirais à la fin que pour cette année, vu les circonstances du confinement, et qu'il n'y a pas la possibilité, malheureusement, de se rendre dans les mosquées pour célébrer la prière de Tarawih, les musulmans sont invités de prier chez eux. Et essayons de profiter de ce moment-là, pour ceux qui ont des parties du Coran qu'ils ont appris par cœur, pour les réviser, pour faire leur prière avec ces sourates, ou même lire directement de Al-Mus'haf, parce que nous pouvons prendre un Coran et lire et accomplir la prière avec même les petites sourates. L'essentiel, c'est d'avoir Al-Wird, c'est-à-dire ce que vous allez lire tous les jours. Et ça peut être dans la prière, en dehors de la prière. Si on peut fixer dans notre programme de lire le Coran en entier, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais il n'est pas nécessaire que cette lecture soit uniquement dans la prière de Tarawih. On peut lire une partie dans la prière de Tarawih et l'autre partie en dehors. L'essentiel, que pendant tout le mois, Inch'Allah,
Que Dieu nous aide pour accomplir la lecture du Coran en totalité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان. Que Dieu nous donne la bénédiction dans ce mois et qu'il fasse que nous serons dans son adoration et qu'il agrée nos actes. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un autre livre. Mais avant tout, j'ai envie de vous dire que dernièrement, j'étais interpellé par un des fidèles au téléphone, bien sûr, sur la sacralité du Coran et de la Sunna. Et j'ai répondu que pour les musulmans, il y a quelque chose, plutôt une seule chose, et une seule, qui est sacrée, c'est le livre du Coran. En effet, Sunna, bien qu'elle soit la deuxième source du droit islamique et de l'éthique islamique, elle n'est nullement sacrée comme le Coran. Exemple, on ne récite pas la Sunna dans les prières. Par contre, le Coran, tout ou en partie, doit être lu afin que l'adoration, la prière, soit validée. Donc la Sunna, à ce titre, n'est pas sacrée. Deuxièmement, réciter le Coran en dehors de la prière est la plus sublime des formes des invocations, qui est l'essence même de toute forme d'adoration. Par contre, réciter un ou quelques hadiths ne peut pas être une invocation en soi. Ceci étant dit, la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sacrée en tant que messager, parce que notre foi entière repose sur le message relayé par ce grand messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le moindre doute sur sa personne, ou son authenticité, ou sa fiabilité, ou sa crédibilité, ou son exemplarité, risque de mettre la foi en question. Il y a eu d'autres qui m'interpellaient sur l'ibadat, etc. Et je me suis rendu compte donc de plus en plus que, malgré l'abondante littérature sur le net sur l'islam, il n'y a pas mieux qu'un livre pour vulgariser ces notions basiques sur l'islam et pour accéder à une saine compréhension et une saine adoration. Aujourd'hui, je vais vous montrer un livre qui répond à deux critères selon moi, la vulgarisation et l'accessibilité, et la fidélité à l'esprit de l'islam et l'authenticité que dégagent ses sources. C'est le livre « 3 minutes pour comprendre 50 notions clés sur l'islam ». 3 minutes pour comprendre les 50 notions les clés de l'islam. Alors, le livre traite des sujets. Le livre traite des sujets depuis l'avènement de l'islam jusqu'à l'époque moderne, en passant bien sûr par les rites, les coutumes, les arts, la littérature, la science, le savoir, mais aussi les différents courants de pensée. Et pour chaque mot-clé, le texte occupe une page. Je vous montre. Hein, vous voyez, il occupe une page, voilà, la deuxième page est une illustration très attrayante, un livre que je trouve très concis, satisfaisant pour avoir une culture générale et agréable sur l'islam, voilà, je vous montre autre chose, voilà, d'accord, donc une page pour le texte, une page pour l'illustration, et... Le seul bémol que je trouve dans ce livre, c'est que souvent, il traite des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, telles que la main de Fatma, qui est une tradition purement maghrébine, mais qui s'est intégrée dans les traditions musulmanes. Ce livre, il est écrit par Malek Chebel, dans l'édition de Le Courrier du Livre, et dont le prix, c'est 18 euros.
je vous le propose pour le lire pendant ce mois de Ramadan. Bonne lecture, bonne compagnie et à demain, Inch'Allah. Merci. القرآن
ودينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتاب القرآن وما دينك الإسلام الحج لبيت الله واجب لمن استطاع الحج لبيت الله واجب لمن استطاع سعي طواف ونحت الحج مرة في العمر سعي طواف ونحت الحج مرة في العمر أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال الله ورسولك محمد ما كتاب القرآن وما دينك الإسلام السلام عليكم أصدقائي سنتعلم اليوم سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعلم اليوم الحروف العربية ألف أرنب باء باب تاء تفاحة ثاء ثعبان
جيم جرس حاء حبل خاء خروف دال دجاجة ذال ذرة راء ريشة زاي زرافة سين سلحفاة شين شجرة صاد صقر ضاد ضفدع طق طائر ظ ظفر عين عين فاء فيل قاف قطة كاف كلب لام لحم ميم مشمش نون نحلة هاء هدية واو وردة ياء يد ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طق ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون فينعمون وينعمون وينعمون فيشاهدون برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل أيامنا كلها سعادة. رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامحي السيئات. تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا أصلحته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، أتمم النعم والفضل والعافية والستر وجبر الكسر وزيادة البر وكبت الشر. يا من تزيد في الخلق ما تشاء، زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك، نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك. أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك.